En fait, la première fois que j'ai patiné, je me souviens pas vraiment. J'étais très jeune. Je pense que j'avais à peine 3 ans, et même pas, peut-être 2 ans et demi. Parce que ma mère est professeure de patinage artistique en France. Donc moi, je devais avoir peut-être 4 ou 5 ans. Donc je jouais avec des joueurs un peu plus âgés que moi, qui avaient peut-être 6 ou 7 ans. Et je me souviens, mon premier match, j'ai cru que j'allais marquer le but. Je suis parti tout seul face au gardien, mais avec la tête baissée. Et en fait, j'allais dans le mauvais sens, c'est-à-dire que j'ai failli marquer dans ma cage. Et ça, je me souviens que quand j'ai tiré, j'ai vu que j'avais tiré sur mon gardien, mais heureusement, il l'a arrêté. Ouais, il y a eu plusieurs. C'est au tout début, quand j'étais jeune, mon père aussi jouait pour l'équipe pro de ma ville à Grenoble. Ah, donc au début, c'était lui. Et puis après, il y a eu d'autres joueurs, des bons joueurs qui sont venus. Philippe Bozon, c'était un très bon joueur français, qui était le premier joueur français à jouer en NHL. Donc moi, quand j'avais 12 ans, il jouait à Saint-Louis. C'était un idole pour nous, les Français. Et puis après, il y avait aussi Mario Lemieux, et puis tous les vedettes de la NHL qu'on suivait. Je pense que chaque saison est une saison différente, avec beaucoup d'expérience et de points positifs. Il n'y a pas de saison parfaite. On apprend beaucoup de tous les endroits où j'ai pu aller. Après, si je dois citer un endroit où c'était le mieux pour moi, c'était peut-être à Genève, en Suisse, par le fait que c'était juste une heure de route de Grenoble, qui est ma ville natale. Donc, je suis parti très jeune, jouer au Canada à 14 ans, donc loin de ma famille. Et le fait de pouvoir jouer à Genève, c'était presque comme être à la maison, parce que mes parents pouvaient venir à tous les matchs. Mon grand-père aussi, qui est décédé maintenant, il venait beaucoup aux matchs. Et c'était pour moi la ville idéale. En plus, au niveau de la langue aussi, tout le monde parle français là-bas. Donc pour communiquer, apprendre vraiment à connaître les coéquipiers, c'est toujours plus facile. Non, il y a eu quelques fois dans les championnats du monde pour la France, ou quelques buts que j'ai pu marquer dans les playoffs aussi, pour la lutte pour le titre. Une année, j'ai eu la chance d'aller en finale avec Vítkovice. On a eu pas mal de bons matchs et j'ai pu aider quelques fois à marquer des buts importants. Mais sinon, c'est dur de penser comme ça pour moi un but qui ressort des autres. Rien d'extraordinaire. J'ai pas marqué de but vainqueur de championnat ou quoi que ce soit. Donc, l'équipe nationale avec l'équipe de la France, et qu'on arrive à gagner. On n'est pas très très bon, on est souvent pas les favoris, mais on a réussi à faire quelques belles performances contre des équipes meilleures que nous. C'est le travail d'équipe qui a réussi à nous faire gagner, et vraiment la solidarité entre les joueurs et la relation qu'on a dans cette équipe, c'est très fort. C'est beaucoup de bons amis, et aussi mon frère, et presque tous comme des frères. Et quand on arrive à faire quelque chose ensemble, je pense que, sans aucun doute, c'est les émotions les plus fortes que j'ai eues, ouais, avec l'équipe nationale. Je n'ai pas vraiment de relation particulière bien définie avec quelqu'un avec qui je peux citer comme nom ici. Et puis dans ma carrière, j'ai joué dans beaucoup d'équipes avec beaucoup de très bons joueurs. C'est dur de citer un. Mais c'était le plus spécial, c'était de pouvoir jouer avec mon frère quand j'ai eu la chance de faire ça. Ça arrive. Le plus dur, c'est dans les moments difficiles, c'est les défaites. Quand on enchaîne les défaites et qu'on n'est pas dans une situation facile, il faut être fort mentalement, parce que personne aime, tout le monde déteste perdre. Je pense que c'est ça le plus énervant, le plus détestable, c'est de perdre des matchs. Et puis, mais des fois, ça use un peu le moral. Il faut rester fort dans la tête. C'est le seul moment. Après, quand l'équipe gagne, que tout va bien, qu'on s'amuse, c'est... J'étais petit, je voulais juste être joueur de hockey. Ouais, c'est tout. Et puis, après, la réalité, c'est que oui, il faudra que je trouve un métier après le hockey, sûrement. Mais j'y réfléchis souvent. Je pense vouloir sûrement rester dans le hockey et me former peut-être en tant que coach ou manager, et peut-être aider surtout dans mon pays, la France, et avec l'expérience que j'ai pu avoir.
Je me repose en ce moment, c'est beaucoup de fatigue, c'est le milieu de la saison et l'hiver qui approche, donc c'est vrai qu'on a besoin de se reposer, mais c'est juste rester en famille à la maison et regarder la télé ou lire, peu importe. Je pense oui, ma famille, c'est sûr que peu importe ce que je fais, ils vont être derrière moi et trouver le positif à chaque fois pour m'aider, c'est normal. Je pense que la maman et le papa, seront toujours mes plus gros supporters. Ouais. Il faut que ce soit ensemble, c'est-à-dire que si chacun se donne à 100%, mais que sur la glace, il y a aussi un côté tactique qui est important, donc il faut qu'on soit patient, discipliné. Et c'est sûr que chaque match, on va tout donner, mais des fois, si on n'est pas ensemble, les cinq joueurs doivent savoir ce qu'ils vont faire ensemble. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est ça, et garder le moral surtout, rester positif, et puis prendre un match après l'autre. On est capable, on sait, il y a des très bons joueurs dans l'équipe, il faut juste qu'on arrive à jouer ensemble, et puis ça devrait le faire.